mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. C'est avec une grande émotion que je dois présider aujourd'hui, au maléfice de l'âge, comme dit Michel, l'élection du maire. Jean Corbanez. Donc je déclare Jean Corbanez élu maire pour cette mandature. Bien. Écoutez, je vous remercie autant mes collègues que les personnes qui sont présentes. Je vais commencer par quelques petits mots, ensuite on passera à l'élection des adjoints. Je vais peut-être un petit peu répéter ce qu'a dit tout à l'heure. Je crois que je me fais le porte-parole de tous mes collègues pour vous remercier de la confiance que vous avez témoignée à toute cette liste qui aujourd'hui siège devant vous pour cette première séance du Conseil municipal. La moitié des électeurs de la commune lui ont apporté leur soutien. La profession de foi que vous avez pu lire ces derniers jours, ces mots n'ont pas été écrits à la légère. Ils représentent ce que moi j'appelle le minimum à respecter pour un conseil municipal digne de ce nom. Puis croyez-moi, j'y serai attentif. Notre gestion sera se démarquer de ce qui se fait en haut lieu et qui normalement devrait être un exemple. La preuve, on l'apporte déjà. Aucun d'entre nous n'est allé dans un restaurant pour fêter son élection. Aucun d'entre nous n'est allé se reposer gratuitement sur un bateau. Et aucun d'entre nous n'a encore prévu de partir en Égypte. 14 Hilaire Michel, un bulletin blanc. Sera premier adjoint. Tu veux dire deux mots? Ouais. Bien, je vais essayer de faire plus court que le maire, de me mettre vraiment en tête que je ne suis plus le maire, je suis au service du maire. Mais je voudrais quand même vous remercier de votre confiance. Je voulais vous dire que premier adjoint, ce n'était pas tout à fait mon intention. Les nouveaux élus en particulier, les gens ont insisté et m'ont convaincu en me disant « Michel, t'as pas fini ton travail. Ton travail maintenant, c'est de transmettre, de nous donner tous les moyens d'exercer notre mandat. Tu dois aller jusqu'au bout. » Donc c'est un défi de plus qui m'a été lancé. Je pensais et je pense toujours qu'il n'est pas bon qu'un maire exerce plus de deux mandats. Il faut savoir passer la main, donc j'arrête. J'arrête mon rôle et mon poste de maire. Mais j'accepte effectivement d'ajouter un mandat ou une première partie d'un mandat au service de ceux qui construisent la commune de demain. 14, Anitache, un bulletin blanc. Bien, Anitache est élu deuxième adjoint. 14, Francis Ducillol, un bulletin blanc. Paulette Lafrie. À Jean Corbanez, c'est... Excusez-moi, c'est un geste symbolique, mais un geste très fort. Je vais proposer à Alain Dubroca de nous remettre nos écharpes parce que ça fait pas très bien si on se remet les écharpes. Je remets aussi ma clé au nouveau premier adjoint. De l'amitié, je